Radio, l'IFE, minuit. Programme Alter Radio sur internet, c'est Sankanpi, 24 sur 24. C'est Sankanpi. Connecté sur TuneIn et Zeno. 24 sur 24. Écoutez. Abonnez. Partagez. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou nal pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Ou écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org, mais toutes diverses plateformes internet. Yo, messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations en avant pour nous développer dans l'édition 24 Cap Vinian. Lundi après-midi, 18 mars 2024, la gang Axam a kidnappé la Kaili dans Vivi Michel, Lucien Jura, un ancien journaliste qui était porte-parole président Joseph Michel Martelly et Jovenel Moïse. Gang Axam a déjà entré en contact avec famille Lucien Jura, d'après ça, avocat Peggy Jean, qui est un ancien journaliste et écrit dans un message sous compte X. C'est toi, mon parmi eux, Lucien Jura, ancien porte-parole de la présidence PHTK, gang Axam kidnappé lundi 18 mars 2024. Là, une attaque a fait contre quartier Vivi Michel à Belleville, d'après information qui vient de Alter Press et Alter Radio. Plusieurs membres gang Axam qui étaient attaqués lundi après-midi 18 mars 2024, la locale Banque Centrale, Banque Toute Banque, en bas la ville Port-au-Prince, mourir dans Boukantaï Koudzam avec agent sécurité Banque Centrale avec la police plus militaire. Policiers et militaires arrivés saisir plusieurs armes manches longues qui étaient nommées bandits, d'après information. Information disponible. Sécurité opération nous yo ak protection employé nous yo, c'est pi gros priorité nous gagnen. C'est déclaration Banque Centrale qui dit le wete chapeau devant agent sécurité yo ak la police plus militaire qui t'ai montré au réactif en pile nan façon yo t'ai fait face carré contre attaque gang Axam yo sous Banque Toute Banque yo nan Port-au-Prince. Gouvernement pays États-Unis a doué prolonger pour plus longtemps programme statut spécial qui relait TPS là pour femme ak garçon migrant natif natal Haïti yo qui sous territoire américain jusqu'à ce que situation va améliorer dans pays d'Haïti. Gouvernement pays États-Unis ta doué papimpe vini dans pays d'Haïti, aucun migrant natif natal Haïti li ta joine sans papier sous territoire américain. C'est ça plus passé 20 sénateurs ak députés mandé gouvernement Joe Biden. Gouvernement transition cap vini doué gen capacité ak liberté pour négocier dans qui condition li ka joine yon support technique ak logistique pour permettre la police nationale la faire face carré ak gang Axam yo. C'est disons parti politique Rassemblement Socialiste pour yon initiative nationale tout neuf racine camp peuple sous Alter Press ak Alter Radio. Rete connecté sous Alter Radio. Avec divers slots pour le faire essentiel, édition 24h, Cap Vinien. 24h, journal Alter Radio. Il sortit à 6h du soir, il passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Toujours sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, mais tout diverses plateformes internet. Une autre fois encore, messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous et attention nous. Bienvenue dans le développement journal. Lundi après-midi, 18 mars 2024, la gang Axam a kidnappé la Kaili dans Vivi Michel, Lucien Jura, yon ancien journaliste qui était porte-parole président Joseph Michel Martelly avec Jovenel Moïse. Gang Axam yo déjà prend contact avec famille Lucien Jura, d'après sa avocat Peggy Jean, qui c'est un ancien journaliste tout écrit dans un message sous compte Xli. C'est trois moun parmi yo Lucien Jura, ancien porte-parole la présidence PHTK yo, gang Axam kidnappé lundi 18 mars 2024 là dans attaque yo fait contre quartier Vivi Michel à Belleville, d'après information qui Binjouen Alter Press ak Alter Radio. Gen en pile famille qui s'est obligé quitter Kayo à cause attaque gang Axam Vitelom Innocent yo a fait depuis plusieurs jours dans quartier Belleville ak Vivi Michel. Gang Axam crasé barrière Vitelom Innocent yo déchets pillés ak boulé plusieurs kay ak machine d'après témoignage qui Binjouen Alter Press ak Alter Radio. Lundi matin 18 mars 2024 la moun Pétionville pantan sous cadavre en pile moun qui mouri en babal dans mitan la nuit là dans rue panaméricaine pour qu'on gagne aucune information sur circonstances la mort en babal moun sa yo. Depuis avant jour lundi 18 mars 2024 la gang Axam qui était bouché figuio qui était gen manche longue dans main yo attaqué quartier Boutillier la boule ak Thomasin. Yo déchapier plusieurs cailles des temps yo tap pété balle sans garder derrière moun nan tout quartier sa yo té c'est obligé essayer mettre corps yo côté pour yo pas recevoir balle marron d'après témoignage qui vient joindre Alter Press ak Alter Radio.
Plusieurs membres gang Axam qui étaient attaqués lundi après-midi 18 mars 2024 la locale Banque Centrale Banque Toute Banque en bas la ville Port-au-Prince mouri dans Boukataï Koudzam avec agent sécurité Banque Centrale avec la police plus militaire policiers et militaires yo rivé saisi plusieurs armes manche longue qui étaient dans main bandits yo d'après information qui disponible sécurité opération nou yo avec protection employé nou yo c'est plus gros priorité nous gagnent c'est déclaration Banque Centrale qui dit li wété chapeau devant agent sécurité yo ak la police plus militaire qui t'est montré yo véatif en pile nan façon yo t'ai fait face carré contre attaque gang Axam yo sous banque Toute Banque yo nan Port-au-Prince. Depuis jeudi 29 février 2024 la gang Axam yo attaqué ak pillé plusieurs bureaux l'état faculté université l'état d'Haïti poste police académie ak l'école police là aéroport international Port-au-Prince là ti aéroport Port-au-Prince là waf international Port-au-Prince là consulat pays Guatemala nan pays d'Haïti en pile business privé ak dépôt la manjaille 24 heures, information besoin sous Alter Radio. L'autre point dans le journal, le gouvernement pays États-Unis a dû prolonger pour plus longtemps le programme statut spécial qui est le TPS là pour femmes et garçons migrants natifs natal Haïti qui sous territoire américain jusqu'à ce que la situation va améliorer dans le pays d'Haïti. Gouvernement pays États-Unis n'a pas dû pimper venir dans le pays d'Haïti aucun migrant natif natal Haïti l'État joint sans papier sous territoire américain. C'est ça plus passé 20 sénateurs et députés américains mandé gouvernement Joe Biden. En plus 33 millions de dollars américains secrétaire l'État Anthony Blinken a annoncé dans la réunion communauté pays Caraïbes, CARICOM, lundi 11 mars 2024, l'Agence américaine pour développement international USAID prévoit bail 25 millions de dollars américains. C'est une façon pour tapoter coller bail plus passer 5 500 000 personnes qui besoin d'aide humanitaire dans le pays d'Haïti à cause de la terre gang Axamio qui engrave la situation. C'est ça, ambassade pays États-Unis dans le pays d'Haïti fait qu'on est. Gouvernement en transition Cap Vinien doit gain capacité ak liberté pour négocier dans qui condition li ka joindre un support technique ak logistique pour permettre la police nationale la faire face carré à gang Axam yo c'est disons parti politique rassemblement socialiste pour yon initiative nationale tout neuf racine camp peuple là sous Alter Press ak Alter Radio nous invitons écouter déclaration porte-parole parti racine camp peuple là professeur Camille Chalmers à l'intérieur de stratégie impériale qui doit mettre critères ça pour justement écarter tout secteur qui véritablement paraît pour défendre le pays. Donc, faut nous pas tomber dans pièce là, tout. Comprenez? Ça veut dire, on met écrit ça pour assurer, justement, que le conseil présidentiel là, formé seulement de monde qui, sont bas contrôle des directives Washington. Donc, dans ce sens-là, faut que nous très faire attention pour que, justement, ne pas profiter de ça pour écarter tout secteur patriote et nationaliste véritable. OK? Et il faut que nous capables de batailler pour que justement, par exemple, résolution Conseil de sécurité des Nations Unies prend le 2 octobre, hein, ok, et nous pensons que il y a un espace de combat qui peut faire autour de cela, notamment autour de la définition de qui coopération internationale par rapport à la question de sécurité. Je veux dire, tout le monde reconnaît que justement, faut que nous soyons capables de reconstruire les forces de sécurité au niveau national. Et dans le processus de reconstruction de forces de sécurité, ça, il est très important que nous définissions tout un ensemble de mécanismes de coopération, peut-être bilatérales, avec tout un ensemble de pays qui ont capacité, qui ont structure, qui sont capables de rentrer dans le projet. Ça. Mais c'est un projet qui doit être totalement contrôlé par les forces sociales et politiques haïtiennes, et pas un projet côté que nous remettons toute bagaille par des forces multinationales. Donc, dans ce sens-là, il est extrêmement important que, justement, nous pas en dehors de l'espace qui prend décision, yo, parce que justement, ils sont capables de définir un ensemble de critères pour assurer que nous écartons de l'espace de décision. Donc, dans ce sens-là, il faut que nous soyons très intelligents et très nuancés pour nous capables, justement, parce qu'en même temps, nous ne sommes pas capables, je dis, à la population, côté qui a assassiné chaque jour, côté qui a violé les femmes chaque jour, côté qui a boulé les chaque jour, nous ne sommes pas capables de dire. On aurait été bras croisés et puis quitter que gang yo continue à violer, touiller, bouler. Ok, donc faut que nous capables de joindre une porte de sortie par rapport à cela. Et nous-mêmes, nous pensons que gagner tout un ensemble de mécanismes. Nous-mêmes, par exemple, dans les communiqués antérieurs qui ont été sortis la semaine dernière, nous avons parlé de l'idée qui a commencé à discuter que gagner tout un ensemble d'Haïtiens qui recevoir des formations militaires aux États-Unis, au Canada, à Cuba,
au Venezuela, au Mexique, en Équateur, au Chili, pour qu'ils ne fassent pas appel à Mounsao et simplement demander que pour un ensemble de pays qui peuvent bien appui logistique, qui permettent de mobiliser tout citoyen haïtien qui est disponible et qui ont formation militaire, qui est capable de participer dans la reconstruction de forces publiques en Haïti. Et c'est un type de solution qui pas justement dit que nous laguer quoi nous en bas aux forces multinationales que nous pas contrôler. Vous avez écouté déclaration professeur Camille Chalmers porte-parole parti racine camp peuple. Nous devons camper contre discours yon série moun k'ap fait promotion impunité en faveur si la k'ap simé l'intérêt depuis plusieurs années sous territoire Haïti sous prétexte soi-disant tête ensemble national pour yo tablier violence gang exam yo. Nous devons goumen pour pays d'Haïti reprendre droit grand moun ni nan éviter toute piège faux discours nationaliste k'ap essayer prendre au libre sous bataille ça. Mode faux discours ça yo vle mettre toute force progressiste dehors dans toute démarche pour tablier une transition politique dans pays d'Haïti sous base critère communauté pays Caraïbes CARICOM ta vle pour membre conseil président pour transition ta d'accord avec résolution 2 octobre 2023 Nations Unies pour une force militaire ta vinn déplotonner sous territoire Haïti a ces considérations sous Alter Press ak Alter Radio parti politique rassemblement socialiste pour une initiative nationale tout neuf racine camp peuple qui dénonçait critère CARICOM pays États-Unis ak lot ak communauté internationale la vle imposer prochain dirigeant gouvernement transition dans pays d'Haïti. C'est celle parti politique Petite Dessaline qui dit li pa voye aucun délégué en dedans conseil président pour transition dans pays d'Haïti. Groupe résistance démocratique engagé pour développement RED ED choisi ancien ministre condition femme ancien ministre affaires sociales Marie Ghislaine mon premier parti politique famille Lavalas choisi ancien ministre éducation Leslie Voltaire groupe parti politique qui t'est signé déclaration 30 janvier 2023 choisi ancien sénateur Edgar Leblanc mouvement Montana qui signé accord 30 d'août 2021 choisi ancien gouverneur Banque centrale la Fritz Alphonse Jean Alliance Ariel Henry en dedans accord 21 décembre 2022 a choisi Kounia ancien sénateur Louis Gérald Gilles secteur gros business yo choisi Laurent Saint-Cyr yo était déjà envoyé en dedans au conseil transition Ariel Henry pour une membre conseil président pour transition hein, d'après information qui vient joindre Alter Press ak Alter Radio 24 heures information utile. Toujours sous Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, mais toutes diverses plateformes internet, qui ont écouté journal 24h. N'a fait place pour quoi elle est là, collaboratrice nous, Marie Farah Fortuné, dans page internationale journal. Affrontement sous frontière entre Afghanistan et Pakistan. Force aérienne Islamabad yo déclenché sous l'est afghan campé d'après sa gouvernement taliban et police pakistanaise n'a fait qu'on est mardi. Sérieux campé situation calme, ces déclarations sa porte-parole gouvernement taliban afghan Zabi Oula Mujahid fait AFP qu'on est Pakistan te mené bien bonne lundi frappe en l'air dans deux provinces afghanes qui gen frontière Paktika ak Kos qui te touye 8 civils femmes ak ti moun d'après Kaboul. Joe Biden pral akyeyi dirigeant Philippines ak Japon pour un sommet ensemble 11 avril Washington d'après sa maison blanche fait connait lundi 18 mars là ça qui a fait première fois en trois pays qui gen en pile inquiétude à cause montée en puissance pays Chine. Premier ministre japonais Fumio Kishida, président philippin Ferdinand Marcos ak président américain pour le défendre ensemble yon vision pour yon Indo-Pacifique libre mais tout ouvert ces déclarations ça porte parole exécutif américain Karine Jean-Pierre fait dans un communiqué côté il fait référence à pays Chine puissance Chine qui a augmenté dans région et qui était États-Unis à campil dans allié lio ça qui pousser renforcer coopération face à adversaire ça. Et puis, il y a une grosse probabilité pour l'année 2024 lancer année qui piche dans l'histoire. D'après ça, Nations Unies fait qu'on est mardi. Nous pas capable de dire ça avec certitude, mais moi, t'as dit, il y a une probabilité pour l'année 2024 battre record 2023. C'est déclaration ça, Omar Badou, dans l'Organisation Météorologique Mondiale fait, dans présentation rapport annuel sous climat. Conseil pratique pour goumen contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprenne nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou lit, ou soit ça ou gardez sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joine. Chercher connaître qui côté causé a sorti, qui est-ce qui publie elle, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitier bail bon gens information. Vérifier. Chercher dans média crédible pour ca comparer. Pas courir là
like, kouri partage, kouri commenter information ou gen dout sou li ki soti sou réseaux social yo. Fon konnen gen équipe kap travay même pou fè des informations. Evite pran gòl nan men yo. Nous besoin information vérifiée pour nous construire démocratie. Média, journaliste, citoyen, an kanpe goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie ak sipo Organisation internationale francophonie ak Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit 8:30 lundi al pou vendredi sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée sous Alter Radio. Relez-nous dans 28 15 73 85. Voyez message dans 48 72 79 13. Communiquez avec nous tout sur Facebook et Twitter. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sous sac passé sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit 8:30 lundi al pou vendredi sous Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio .org. Frottez l'idée. Téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook et tout l'autre réseau social. Yo, yon rendez-vous pour nous parler parole ma nouvelle. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou abjouer la soignage. Seulement 1500 goud ou abjouen 4 la soignage pendant 3 mois ak yon koken chen service. Le ou achete 4 assurance la, consultation yo gratis. Médicaments générique à gogo pour seulement 150 goud. Examen laboratoire 150 goud. Vin pren 4 la soignage par ou la. Pour toute urgence ak information, relez dans 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Soit 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam jwenn 4 yo dans toute réseau Dashio. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thèmes et conditions applicables. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Mes amis, avec situation mauvais temps la bli, pays a konnen, ka choléra yo pas si span augmenté et puis fait gros dégâts la mitan nou. Chaque jour qui joue, choléra a valé terrain en pile côté nan pays a. Moun a mouri pendant en pile lot couché l'hôpital. Dans yon situation comme ça, personne pas épargné. Pi bon moyen pour éviter choléra, c'est respecter tout principe hygiène yo, tankou laver men nous avec de l'eau propre avec savon, boire de l'eau potable, bien cuit tout ça n'a manger. Si tout bien laver mangoyo avec toute l'autre fruit n'a manger. Utiliser latrine ou soit toilette moderne. Négligence c'est pi gros l'ennemi la santé. On protéger la vie nous à moun k'ap vive dans entourage nous. C'était un message MSPP ak partenaire Lio ak Sipo Technique Institut Palos. Toujours sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org, mais tout diverses plateformes internet. Dans l'actualité économique journal, dans le pays Argentine, 100 jours après les fin entrée en fonction comme président pays, Javier Milei déjà commencé à diminuer le budget pays Argentine. 100 jours après les fin prend tête pays, les arrivés pour une première évaluation en Argentine sous réalisation président extrême droite, Javier Milei, si volonté le gain pour le faire ces réformes dans le pays, a fait face à gros difficultés dans le Parlement, côté le pas gain majorité. Président argentin dit li pap campé malgré toute tension qui gagne dans pays a face à Messi li annoncé yo. Javier Milei qui dit la prêté fidèle à promesse campagne li yo immédiatement té lancé plan li té gagne pour rider pays a sorti dans situation économique difficile là. C'est comme ça li té éliminé moitié dans ministère yo, plusieurs milliers postes fonctionnaires civils té éliminé, yon gros diminution dans aide publique pour manger avec transport public té permettre li rétablir sa relé l'ordre dans compte public. Yo, ça te fait dans l'idée pour permettre li gen plus l'argent dans budget dans mois janvier et février passé. Président argentin qui a battu l'estomac li dès que li permet inflation en sorti dans niveau 25% dans mois décembre pour arriver 13% dans mois février passé a, et puis li te permet peso argentin suspend perdre valeur par rapport avec dollar américain hein. Mais faut que nous dit tout bagaille pas marcher rose contrairement à Jean le te penser ça.
Thérapie choc gouvernement l'a commencé avec une dévalorisation 54%. Mettez sous ça 18% de la population en perdit pouvoir d'achat dans moins passé 3 mois. Ça qui gagne en pile conséquence sous budget classe moyenne qui vient plus pauvre. D'après une étude université catholique dans le pays Argentine, depuis l'élection de Javier Milei, il y a 3,5 millions d'Argentins qui tombent dans la misère red marée. Ça qui vient faire, c'est plus passer 57% de la population qui trouve une situation malouque. Ça, depuis le président Javier Milei, revient dans le pays Argentine. Toujours sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org. Dans la page culture journal, Oliver Stone annoncé un documentaire sur président pays Brésil Luiz Inácio Lula da Silva. Oliver Stone finit tournage un documentaire sur président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, incarcération en 2018 à 2019, mais tourné tout le sous pouvoir. Ces déclarations, ça cinéaste en fait, dans un entretien de AFP. Documentaire un parlé concernant poursuite judiciaire qui était ciblé ancien président brésilien à partir 2011 pour affaire corruption mais au blanchiment l'argent. Ça qui était passé un les ont mis en prison pour corruption. C'est un bagage qui pas habité fait non. Pays ça yo aussi déclaration ça Stone fait les mêmes qui dépassage à Paris pour te parler concernant nucléaire no un documentaire sous défense nucléaire. Pour qu'on ait date sortie, pour qu'on ait un film l'entend de présenter dans le festival d'après précision réalisateur américain qui habite fait partie du mes 7e art en cours festival Cannes. Dans l'espace 5 décennies, Oliver Stone tournait plaisir zèv fiction, mais tout documentaire qui a rapport avec l'Amérique latine, il était commencé avec Salvador dans l'année 1986 à James Woods. Quelques zèv liés aux controverses étant qu'au commandante, documentaire qui sortit dans l'année 2003 sous Fidel Castro, qu'il était fait dire l'autre encore 2004 à 2012. Dans l'année 2014, Stone a réalisé My Friend Hugo sous ancien président vénézuélien Hugo Chavez, diffuseur officiel vénézuélien 1, Télésur, tes produits qui défendent le régime chaviste. Tournage documentaire sous Lula prend plusieurs mois. Côté Oliver Stone, tu voyagé avec vétéran politique brésilienne. À entrevue le temps par Poutine, son une réputation outsider dans Hollywood. Ça a déjà fait qualifier comme complotiste. Lauréat Oscar, réalisateur Platoon avec JFK te admet yon retour dans un long métrage t'apparaît difficile. Dans la page santé journal, pathologie neurologique yo c'est première cause problème santé la kaimoun. Plus détails, Marie Farah Fortuné. Pathologie qui frappe système nerveux, tant que démence type Alzheimer, mais tout yon bon en tête ou cap formal ou bien conséquence AVC. Pour qu'on y a ses principales causes mondiales, problèmes santé, d'après une étude qui paraît vendredi 15 mars, d'après travail ça, qui paraît dans l'Anset Neurologie, c'est pas pathologie cardiovasculaire, mais ça qui dans l'ordre neurologique dans le sens large, là, qui la cause pigoto ak moun qui toujours en vie dans l'année 2021, 43% population mondiale, soit 3,4 milliards moun, te touché à travers un trouble neurologique d'après étudia. Plusieurs centaines de chercheurs menés sous égide Institute for Health Metrics and Evaluation, organisme référence dans sa qui vient pour la statistique santé. Niveau sa tape piro, passe estimation qui la kounya yo, il t'avle dit tout bio bondi à plus passe moitié depuis 1990. Chercheurs yo we, yon lot boy yon conséquence en vieillissement population, si tout grande majorité troubles neurologiques yo pas capable guérir et continuer donc pendant plusieurs années jusqu'à ce que moun nan mouri. C'est AVC, accident vasculaire cérébral, qui la cause plus handicap et problème santé. D'après étude, il la cause 160 millions d'années vie, et dit, un indicateur qui censé aller sous simple espérance vie, un monde pour prendre en compte situation réelle, moun yo, sous ensemble population mondiale. Là. Après ça, c'est encéphalopathie néonatale, une forme pathologique, j'entends montrer ça, frapper un petit monde depuis l'elle fait, démence type Alzheimer, et puis conséquences neurologiques diabète. Là. Méningite à épilepsie suivent dans le classement. Quant à ce qu'elle neurologique COVID-19, qui se yon en volet COVID-19, li trouvé dans 20e place. Nan. Nan sa ki gen pou akalan mo problème neurologique yon touye, plus passe 11 millions moun dans l'année 2021 d'après étude lan. Li pi ba bilan maladie cardiovasculaire yo 19,8 millions qui pi souvent cause moun mouri pi vite.
N'a toujours été à collaboratrice nous Marie Farah Fortuné dans page technologie journal là côté le parler nous de Nvidia qui dévoilait une super puce qui gagne en pile performance. Spécialiste américain semi-conducteur Nvidia dévoilé lundi dernier modèle puce électronique qu'il a pour accompagner révolution intelligence artificielle là côté l'a chercher consolider position en tant que gros fournisseur. Nous besoin GPU qui plus gros. Donc moi présenter nous un gros GPU c'est ça Jensen Huang, un patron groupe là, fait qu'on est dans une conférence pour développer yo. GPU, Graphic Processing Unit, c'est PIS qui gagne une capacité calcul qui supérieure à parmi les processeurs classiques CPU. Moi, espérer n'a pas réalisé, c'est pas un conseil, c'est une conférence pour développer yo. C'est ça, Wang te dit, l'état monté sous scène, sous SAP Center San Jose, Californie, une salle 18,000 places qui habituellement accueille match hockey à conseil. Événement, analyste, Wade Bush, Dan Eves, Riley, Woodstock, IA, vini yon incontournable dans calendrier gros acteur, nouvelle technologie, à cause rôle unique Nvidia dans révolution IA, mode l'en connaît depuis ChatGPT par fin 2022. Puissant PIS GPU Nvidia ak logiciel yo, c'est yon nan principal ingredient IA générative lan. Rival yo, tankou Intel ak AMD rete à peine pour faire jouet égal lan ak puissance, mais tout efficacité produit vedette lan H100 qui sorti dans l'année 2022. Apple, Microsoft ak Amazon développé tout piste qui gen IA nan l'esprit, mais yo pou kounya gen problème pour utiliser produit Nvidia pour capable kembe promesyon nan sa ki gen poue ak intelligence artificielle. 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h du soir, li passe tout a 10h du soir, minuit, 4h ak 5h du matin et puis midi. 24h, information nou bezwen sou Alter Radio. C'est la journal de Kabame. Avant nous chaper pour nous rappeler aux principales informations, nous t'es développé. Lundi après-midi 18 mars 2024, la gang Axam al kidnappé la Kaili dans Vivi Michel, Lucien Jura, yon ancien journaliste qui était porte-parole président Joseph Michel Martelly avec Jovenel Moïse. Gang Axam yon déjà entré en contact avec famille Lucien Jura. D'après ça, avocat Peggy Jean, qui c'est un ancien journaliste, écrit dans un message sous code X. C'est toi, mon parmi yon Lucien Jura, ancien porte-parole la présidence PHTK. Yon gang Axam kidnappé lundi 18 mars 2024, là, dans attaque yon fait contre quartier Vivi Michel ak Belleville d'après information qui vient de Alter Press ak Alter Radio. Plusieurs membres gang Axam qui étaient attaqués lundi après-midi 18 mars 2024 la locale Banque Centrale Banque Tout Banque en bas la ville Port-au-Prince mouri dans Boukantay Koudzam ak agent sécurité Banque Centrale avec la police plus militaire. Policiers ak militaires rivé saisi plusieurs armes manche longue qui étaient dans main bandi yo d'après information disponible. Sécurité opération nou yo ak protection employé nou yo c'est pi gros priorité nou gagnen. C'est déclaration Banque Centrale qui dit le wété chapeau devant agent sécurité ak la police plus militaire qui t'est montré au véatif en pile nan façon yo t'ai fait face carré contre attaque gang Axam yo sous banque Tout Banque yo nan Port-au-Prince. Gouvernement pays États-Unis a doué prolonger pour plus longtemps programme estati spécial qui relait TPS là pour femme ak garçon migrant natif natal Haïti yo qui sous territoire américain jusqu'à ce que situation va améliorer dans pays d'Haïti. Gouvernement pays États-Unis a doué pas pimpé venir dans pays d'Haïti aucun migrant natif natal Haïti li ta joindre sans papier sous territoire américain. C'est ça plus passé 20 sénateurs ak députés mandé gouvernement Joe Biden. Gouvernement transition cap vini andre gen capacité ak liberté pour négocier nan ki condition li ka jwenn yon support technique ak logistique pour permettre la police nationale la faire face carré à gang Axam yo. C'est disons parti politique Rassemblement Socialiste pour yon initiative nationale tout neuf racine camp peuple sou Alter Press ak Alter Radio. Journal l'interview possible grâce à concours toute équipe Alter Radio en bas supervision Ronald Colbert, Emmanuel Marino Bruno, participation Marie Farah Fortuné, réalisation Jude Stanley Wa. Namiko a pou te prezante ou principale informasyon yo nan pam se Pierre Filor Saint-Fleur. Rete konekte sou Alter Radio 106.fm, www.alterradio.org. Mentou ka kote nou sou divers platform internet yo. Programasyon apra pou suiv. Ba bay tout moun. 24 Jounal Alter Radio 24 Informasyon bezwen sou Alter Radio. Altaire Radio, l'idée frais, nos affaires radio.